Allez, il faut, faut reprendre la pratique. Ok, il faut que les ouvertures reviennent. 6, normalement, c'est plutôt cool pour moi, je crois. En tout cas, j'aime bien jouer ça. Ah, c'est pas fou G2, je pense, par contre. Le fou, il vend H3 ici. Plutôt. Ah, du coup, je vais prendre C6, je vais m'en débarrasser de ce con-là. J'ai peut-être des cavaliers D5 qui traînent. Bon, allez, on va cliquer un petit coup ici. Très thématique, hein. Ce plan-là est archi-thématique. Sur Roi F8, j'ai peut-être fou prend G7, tour prend E7. Et en fait, t'as déjà douche, puntoche pour la pièce. Et les pièces noires sont mal placées. Cavalier E5, j'ai fou prend et D6 à minima. Ou pas. Ouais, dame prend D6, fou prend B7, c'est cool. Et fou prend G5, dame prend G5, c'est cool. Ça a l'air d'être plutôt un bon coup, ça, parce que fou prend C5, dame prend C5, dame 2, dame C7, passe. Je vais faire dame 3. Donc, dame 3, l'idée, c'est d'interdire un roque, en fait. B3. Alors, il menace de bouffer. J'ai pas la ref sur pion prend. Ça m'inquiète parce qu'il doit avoir une idée. Mais j'ai pas. Je vois pas la plus-value de filer un punto comme ça. Sur tour C8, j'ai fou prend C5 hein, maintenant. Ah, sur fou prend C5, ça j'ai fou prend C5. Il peut pas faire dame prend, j'ai dame E7 mat. Ah ! Je vais faire C4. Encore raté ça. Mais bon. Ça n'a pas l'air mal. Ça n'a pas l'air d'avoir été mal de filer ce punto quand même. La position est belle, mais je réussis pas à. À trouver comment conclure. Du coup, je joue les coups qui me paraissent logiques. Je suis peut-être trop en contrôle, c'est ce qui me fait peur et je me fous mal trop mal au temps. Je veux fou E6 en fait. Il l'a raté. Ah mais il a dame 1. Non. Il y a dame 1 et ça gagne pour lui. Putain. Putain, j'avais tellement bien joué. Putain, fais chier, je rate des trucs. Ah, je rate! Bon, ça va, dans les coups, je suis pas trop en dessous. Je manque un peu de pratique et un peu de force. Mais ça va, les coups sont pas trop en dessous. Dommage, dommage ce truc. Parce que j'avais eu le bon feeling. C'est ça qui est dommage, le cavalier D5 et tout, c'était quand même bien joué de ma part. Je vais passer ma tour vite tant que je peux.
Je vais économiser du temps avec le fou. Je vais essayer de faire passer l'autre tour comme ça. Okay. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça me paraît hyper logique ce que je suis en train de faire et hyper bien joué. Ok, je comprends ce qu'il fait. Il va avoir un D5 chiant. Tour prend H2, pion prend F5, prise F5, D5. Bah, je vais faire ça. Je vais laisser faire D5. Je vais revenir en H4. Prise C6, je vais prendre du roi. B5, je vais faire roi B7. Ah, mais il va faire tour ici, mais j'ai tour prend C4, tour D7, pardon, pour taper là. Tour prend C4, tour prend F7, fou prend A3, tour prend G7, c'est un peu forcé comme ligne. Ça a l'air plus ou moins forçado. Tout ça, j'ai vu, hein, évidemment. Il n'a pas fou B4, j'ai tour E5, ça j'ai vu aussi. Et j'ai vu jusque-là. Et ça me plaisait parce que... Parce que j'ai un magnifique punto, en fait. Ça me plaît parce que j'ai le punto. Oui, roi D3, oui, 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 roi D3. Viens en D3 avec ton roi de merde, connard. Oui, roi D3, bien sûr, monsieur. Merci, au revoir. Ça fait plaisir quand le meilleur joueur gagne une partie du jeu d'échecs. Oui, oui, oui. Viens me faire chier avec ta tactique de merde. Pourquoi je revous ce putain de fou en G2? Ah, il a modifié l'enflure. Bien joué. Belle enflure. On va partir pour ça, mais... Tellement bizarre là ce que je suis en train de faire. J'ai pas K D6, j'ai pas fou F1, j'ai pas G6, j'ai pas que fou A7. Je vais faire Dame 2. Ok, j'ai un truc beau. Sur pion prend, j'ai fou prend B7, roi prend B7, K C7, dame prend A6. Oh, et ça se présente un petit peu. Et j'ai aussi ici, en fait. Oh, c'est pas possible! Ok, mais le problème, c'est que c'est pas gagnant. C'est ça qui fait chier. Mais c'était joli. Allez, faut que je joue vite, mais il va me faire tomber l'enflure. Non, mais bon.
Je vais mettre 2-3 barbels hein, quand même. Ok, c'est une enflure, il joue bien. Il jouait à l'enfilade. Mais je veux fou C5, tour C4, tour C8. Ah putain, j'ai pas tour pour E3. Il va jouer le piège, évidemment. Non. Menace tour prend B6, important. Putain, et il clique ça. Tour D1, j'ai roi A2 quand même. Oh, ça clique ! Oh, tour D1, roi A2. Désolé, monsieur. Mais la finale, le problème, c'est qu'elle n'est pas gagnante. En fait, le problème, c'est que ça rentre là-dedans de manière complètement forcée. Et que malgré mes innombrables clics magnifiques, j'ai pas assez de temps. Mais pourtant, j'ai envoyé du beau clic, hein. Putain, je mets tour H8, tour H5 et C8 dame. Ouf. C'est trop en fait. En fait, c'est beaucoup trop. Ouf. Faut que je clique très très vite là. Il va faire tour B2, H2, je pense. Putain, j'ai le cœur qui bat hyper vite, là. C'est terrible. Il va cliquer quelques coups tempo, l'enfoiré. Si tu veux que là... Il l'avait pas vu ! Oh là là ! Fionnade. Oh, je vais remontrer au ralenti parce que je les ken et des fois, c'est un peu comme sur PH, t'as envie de revoir l'action, quoi. Oh, le tour H8, tour H5 et C8. Et j'ai failli lui faire un Nino. Je voulais faire un Nino. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse, quoi. Oh, je l'ai Nino'd. 1800, j'avais vu. Oui, oui, tu avais vu. Oui, oui, bien sûr, tu avais vu. T'avais rien vu, frère. T'avais rien vu. C'est quoi cette variante de connard? Ah, je t'échange les dames. Putain, je pensais que ce serait Kata et finalement, je me présente quand même au clic. Malgré que j'avoue, je suis vraiment pas à 100%, mais ça va, je me présente quand même. Présentez-vous. Présentez-vous! Qui je suis? Qui je suis? Putain, j'avais fou prend H2. Ah, j'ai mal joué! Arrête de parler et nique-le! Pardon, pardon. Mal joué, mérité, je suis un connard. Ça va, tout est sous contrôle. Everything is under control. J'ai pris des cours d'anglais, ça va faire très mal cette année. Faudrait une tour en H8. Et je fais comment? Je la téléporte?
Tour H8. Non, mais t'es mal à taille des commentaires. Ouais, une dame en F2 aussi, ce serait pas mal. Ou une dame en G3, tiens. Roi E7, tour H8. Bah, c'est deux coups, frère. Laisse-moi les jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais cliquer un cavalier en E3 en fait. Oh, j'en ai absolument rien à foutre, je clique. Oh, c'est beau. Bim, dans ta gueule! Bim! Nanana. Si tu crois que ta vie est là. Bon, pire sur Roi H1, ça je pourrais prendre. En fait, je peux me retrouver avec 40 pions de plus. Tourelle en H8. Dame G2, fou prend F4. Bon, c'est la ligne que j'avais. Hein. Roi G1, fou prend. Roi F1, dame F4. Ça, c'est encore un échec. Et ça, c'est une tourelle en H2. Et prise, roi prend E3, dame prend B2. Prends B2, c'est le plus simple. Oh, ça abandonne! Oui, oui, merci monsieur! Oh, je lui ai fait tellement mal. Je l'ai souillé en vrai. Ouais, cavalier prend E3, je l'ai souillé. Ouais. Oh, ça allait quand même très très vite. Souillade! Oh, ça change d'ouverture côté Simeone. Oh, ça rejouera peut-être pas la prochaine s'il gagne. Pas de bol. Oh, bah oui. Oh, bah un petit. Petite miésis. Le 1800 avait tout vu. Oui, oui, oui. Bien sûr. Je sais que c'est dame 4, mais je sais que je me rappelle plus et que je dois pas le faire et je le fais quand même parce que je suis un con. C'est dur d'être un con fini. Ça va menacer ma tendin quand même. Bon, ça fait toujours plaisir. On sait jamais, un petit x6 là qui clique. Ah, je peux pas cliquer. Je vais essayer quand même. Non, ça laisse pas cliquer. Clique là, parce que si clique C3, je clique H7. Oh, pardon, monsieur. Oui, je clique 4, je clique D2. Et je vais cliquer en C5, et je vais cliquer en C4. Ouais, ça j'ai vu, hein, tout est vu, évidemment. En Benoît, je vais cliquer. Ah, il clique C4 sur échec. Ah, l'enfoiré. Ah, belle ordure. Ok, belle ordure. Cavalier D5 qui clique C4 sur échec. C'est vraiment un coup d'ordure. Et si je clique B3, clique C4, clique C4, clique ici, clique D7. Clique A4, clique 1, clique C7. Ah, j'ai envie de cliquer B3 et laisser tour prend C4. Putain, c'est volontaire. Oh, est-ce que je suis fou? Je suis peut-être complètement fou, en fait. Mais en fait, il peut clic C5, mais je veux... Ah, putain, il le fait pas. Merde. Là, il a bien joué l'enflure. Faire F3. Mais il a très bien joué en fait. Ça sentait que mon truc était artificiel.
Il m'a bien réfuté la gueule. Bravo à lui, hein, après, quand tu te fais réfuter la gueule. C'est toujours mérité. Ouais, bien joué encore. Merci Vivaldi pour les subs. Putain, je donne tout et je suis mal au temps de nouveau. J'ai punto de plouche. Propose draw, mais il va la jouer au tempo. Cavalier C3 ambulant. Merde. Je clique fort en fait. Unoche, bien joué. Trop fort le cheval. La tourelle derrière le puntoche. Allez le puntoche. Allez, le puntoche. J'ai mis le setup. Oh, j'ai mis le setup. Mais le setup passe pas. Ça, je sais le gagner, putain. Je l'ai appris en cours, ça. Comment ?